champion, là. Comment t'as découvert le ski, toi ? Mes parents ont en fait commencé à skier ma sœur. Donc j'avais 2 ans et demi. Et j'ai fait mon petit caprice de sale gosse. Et mes parents m'ont mis sur les skis. J'arrive, hein, Jordan. Je regarde juste comment c'est fait, là. Ah, ça va vite, là. Hop là ! Allez ! Hop ! En 2009, t'as un accident de moto. Comment tu remontes sur des skis ? Eh ben, en vrai, avec beaucoup de questions en tête. En fait, le médecin qui m'a aidé lors de l'amputation était lui-même amputé. Et c'était la première question que je lui ai posée, c'est « Est-ce que je vais pouvoir reskier ?» Et tout de suite, il m'a dit « Mais regarde, moi, je suis amputé. Je reskierai, je t'emmènerai skier l'hiver prochain. » J'avais 16 ans. C'est ici, d'ailleurs, que j'ai réappris. Moi, ma première piste en tant qu'amputé, c'était Stélessiel. Quand tu seras à Pékin, c'est quoi l'objectif pour toi ? Au départ d'une descente paralympique, c'est encore un autre univers. C'est une chance inespérée, on n'est pas nombreux à pouvoir y aller. Donc, te dire que t'es là, t'as ta chance, ben, vas-y, grille-la pas, quoi. Donne tout et on verra en bas. Bon, moi, je vais peut-être redescendre à pied, je te laisse t'entraîner. À pied, t'es sûr ? Ouais, t'inquiète. Bonne chance, mon grand. Merci. Tu te foulais ? Quel beau dandinement.